Les yeux de beaucoup de prédateurs du royaume animal brillent dans le noir, et les chats ne sont absolument pas uniques en leur genre. Mais comment est-ce que c'est possible que des yeux brillent dans le noir? Dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, nous dissiperons tous les doutes que vous pouvez avoir en vous expliquant pourquoi est-ce que les yeux des chats brillent dans le noir. Bonne vidéo! Pour comprendre d'où vient l'éclat des yeux des chats, il est essentiel de voir ensemble comment fonctionne la vision de nos amis les chats. La lumière est l'élément le plus important car elle doit traverser les différentes parties de l'œil afin de former l'image que le cerveau va percevoir. En résumé, la lumière traverse dans un premier temps la cornée, ensuite elle passe par l'iris et finit au niveau de la pupille. En fonction de l'intensité de la lumière, la taille de la pupille augmente ou se réduit. S'il y a beaucoup de lumière, la pupille adopte une forme dessinée par des lignes fines et verticales, alors que s'il y a peu de lumière, la pupille sera complètement ronde. Après avoir atteint la pupille, le reflet de la lumière continue son petit bout de chemin jusqu'à ce qu'elle arrive au cristallin. Ce dernier est chargé de faire la mise au point de l'objet. Ensuite, elle arrive jusqu'à la rétine qui envoie automatiquement l'information collectée au cerveau. Quand cette information arrive, le chat est conscient de ce qu'il voit. L'intégralité de ce processus se produit en quelques secondes, et il s'agit du même aussi bien chez les chats que chez nous. Mais du coup, pourquoi est-ce que les yeux des chats brillent dans le noir alors que les nôtres ne brillent pas dans le noir? Car l'œil des chats est équipé d'une structure additionnelle que nous ne possédons pas, et qui s'appelle le tapetum lucidum. Qu'est-ce que le tapetum lucidum? C'est une petite membrane située au niveau de la partie postérieure de l'œil qui est chargée de la réflexion de la lumière vers la rétine. Grâce à cette membrane, l'œil du chat est capable de capter les moindres rayons lumineux qui se trouvent dans son environnement, ce qui lui permet de voir dans le noir. Dans l'obscurité, un chat doit capter le maximum de lumière possible, et c'est pour cette raison que leurs pupilles se dilatent jusqu'à ce qu'elles occupent la totalité de l'œil. Une fois qu'elles sont dilatées, le tapetum lucidum absorbe la lumière et la réfléchit, et c'est pour ça que les yeux du chat brillent dans le noir. Ainsi, on peut dire que le reflet de lumière qui se trouve dans les yeux du chat n'est rien d'autre que le produit de la lumière que l'œil du chat a pu percevoir. Cette même membrane est celle qui leur permet de bien voir dans le noir. Grâce à cette évolution de leur vision, les chats sont d'excellents chasseurs nocturnes. L'éclat de leurs yeux peut-il être de différentes couleurs? Oui, et le responsable de ces variations dans les tonalités est de nouveau la membrane tapetum lucidum. Cette membrane contient ce qu'on appelle du riboflavine et du zinc, et c'est en fonction de la quantité présente de ces éléments que la couleur de l'éclat des yeux variera. De plus, la race ainsi que les caractéristiques physiques du chat influent aussi sur la coloration. De fait, la variation de couleur est aussi intimement liée à ce qu'on appelle le phénotype. Ainsi, on peut voir des chats qui ont des reflets verts, rouges ou jaunes. De manière générale, ce sont les chats qui ont un poil plutôt clair avec des yeux bleus qui ont tendance à avoir des reflets rouges. Votre chat a toujours les yeux brillants sur les photos avec flash? Maintenant que vous savez pourquoi est-ce que les yeux des chats brillent dans le noir, vous comprendrez facilement pourquoi est-ce que votre chat a toujours les yeux rouges, verts ou jaunes sur les photos avec flash. De fait, nous ne recommandons pas de faire ce genre de photos de votre chat, car le flash de l'appareil peut être plus que dérangeant pour votre animal. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Connaissiez-vous la réponse à la question? N'oubliez surtout pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne si cette vidéo vous a plu. A bientôt sur Planète Animal!